Hello les petits chats, hello à tous, on se retrouve aujourd'hui avec Prodige. Hello. J'espère que vous allez bien, il nous a trouvé une petite escape bien sympathique où nous sommes enfermés dans un donjon et nous allons devoir nous en enfuir. Ah, on est très très sexy, hein. Moi j'aime beaucoup ce petit top là avec le petit croisillon devant. Bon, le bas est un petit peu court, hein, un petit peu échancré. Voilà, bon bah on fait avec. Hein. C'est très panier sac à patates, moi. Alors tu dors où? Tu dors là? Ou là c'est pour faire caca? C'est quoi? T'as raison, alors moi je dors ici. Pourquoi? Moi je prends le lit direct. On dort ensemble, tu vois, genre comme ça en largeur. Comment? En long là? Voilà, c'est de travers. Alors déjà toi tu ronfles, alors je peux te dire que tu dors pas dans mon lit. En plus t'as les pieds sales. Non, 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 non. Alors là. Allez, moi je m'en vais de toute façon, j'en ai marre de rester ici. Allez, salut. Ah bah voilà, moi je tombe. Toi tu passes, moi je tombe. Ah! Ah, il y avait un trou? Ah, c'est toi qui es tombé dans le trou? T'es tombé dans le dans les oubliettes. Mais là en fait tout est passé. Non, pas. Bon bah salut. En fait, non, oui, c'est ce que je suis en train de me dire, ouais. J'ai. Oula oula oula, attends, attends, ça bouge, ça bouge. Ouh, c'était pas prévu que ça bouge comme ça. Tranquille, voilà. Eh ben, qu'elle nous dit elle là. Hein. Ah bah là, ça rigole plus là, avec l'escape qu'on a fait avant. Plouf. Ouais, bah on se demande qui c'est qui a dit quoi. C'est toi, hein, c'est ton personnage qui convoite. Bien sûr, bien sûr. La même coupe de cheveux. C'est ma cousine d'un autre temps. Ah, c'est toi d'un monde parallèle. C'est ça. Moi je m'en vais de là. Yay. Oula. Checkpoint. Ah. J'avoue que, enfin vraiment, il y a un petit air de famille quand même. Hein. Ah, bah. Ça pourrait être ma soeur. Hein. Ouais. Bon, ce qui est bien, c'est qu'on a les gros pic-pic par terre, donc au moins on sait où faut pas marcher. Ah. Non mais je me suis dit, franchement ça a l'air d'être un peu lent à descendre, tu vois, je vais peut-être avoir le temps d'en passer deux. Grossière erreur de ma part, mais j'ai cru, tu vois, je me suis dit bon allez. Quoi? Oh purée. Je me suis dit vas-y, j'ai grave le temps de passer. Ok. Moi je t'ai suivi, j'ai pris marche arrière dessus. Je m'y attendais pas là, je peux te dire que je vais prendre mon temps là. Tu sais, il a fait comme toi avec ton escape, tu l'as fait de plus en plus rapide. Rien des fesses quoi. Bah on monte, j'aime bien parce que... Je voulais descendre aussi et puis non, c'était pas une bonne idée. C'est quoi cet escalier là? Non, je vois bien la rivière. Oh, dégueu. Ah. Ok, checkpoint. Alors mince, la clé... Moi je prends le tapis ours. J'ai un coffre, hein, yolo. Ah, yolo. Ah, c'était... Ah, on redescend pas tout en bas. Ah non, ça va. Bon bah c'était lui, hein. Ah. Ah. Bah non. Bah mince alors. Ah bah ça doit être celui qui est caché là-bas. C'est fait exprès, tu sais. Ah. Et voilà. Bonjour. Oula, c'est quoi cette clé? Toujours plus. Ah, j'ai cru qu'on allait être enfermé dans les donjons là, je me suis dit. Moi je garde ma clé, c'est bon. Bah tu fais ce que tu veux. Ah, des pièges à loup. Moi j'ai pas trop confiance, hein. Ah. Hop, merci, je peux passer. Comment tu profites de moi quoi? Mettez dans les commentaires, Prodige, je profite de Devo. Non, mettez pas. Mettez Prodige est le meilleur. Non. Voilà. Regarde, hop. J'attends que tu viennes là pour que je puisse passer. J'ai réussi à activer les deux quand même, hein. Oh, je sais pas si. Voilà, attends, ok, ok. Poudlard. Ouais, c'est vrai que ça fait un petit côté Poudlard. Par contre, j'ai un peu le vertige là, je t'avoue. Vas-y, passe. Ouh, je vais passer là quand ça t'active le piège. Non, c'est bon, ça va aller. Ah, bon. Moi, je te suis maintenant. Celui-là, il est tendu. Hein. C'est bon. Ah, c'est bon, tu l'as fait. J'ai. Ah, j'ai eu des pics là-dessus. J'ai eu des doutes. Regarde, tu n'as pas les escaliers de Poudlard. Moi, ça me donne envie de faire. Na 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 na. Tendu, là. Là j'ai senti mon petit cœur battre très très fort là. Ah ouais. Ah. Je suis tombée. J'en étais sûre, il était tout fin lui. C'était pour moi quoi. Tout en haut, juste sur la côte. Je suis pas sûre. Ça se tente. Vas-y, je tente. Oh. Oh. Bon voilà, c'était le petit raccourci. Yes. Par contre ça, à mon avis, tu t'éclates. Hein. Ça. Debo elle a dit attention, j'entends des pièges au loin. Ok. Pas confiance. Oh, là, le plafond. Oula. Tu penses qu'il y a un temps pour le faire et après ça t'écrase ou pas? Je sais pas. Ah. Ah. Le plafond. Peut-être attends en fait. Comment te dire? On s'est fait écraser le chacha miaou. Tu
Je pense qu'il y a moyen de passer en face directement. Attends-moi. C'est trop beau, j'adore. T'as fond, il y a un truc bizarre. Ça fait un peu une Indiana Jones là. Ta 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 ta. Oula. T'active un piège. Ah bah oui. Moi je marche là où il faut pas marcher, tu sais. Wow. Et c'est désactivé ? Ouais, c'est désactivé. En fait, c'est genre t'es en train de le faire et là il y a quelqu'un qui arrive et qui l'active. Et là t'es pas bien quoi. Pour une fois que je tombe pas. Non, ce que ça fait d'ailleurs. Faut aller dans la bouche du monsieur ou pas ? Attends. Ah bah. Il y a le boulet là. Ah tiens, t'es rentré dedans. Tu crois pas que j'allais attendre que tu réactives le boulet quoi ? Bah ça c'est quoi, j'allais mourir, c'est tout. Elle dit quoi? Elle dit regardez, il y a des choses étranges dans le temple. Non, tu dois aller très très vite et courir très très vite. D'accord. C'est parti. Wouhou! J'ai peur. Bon, il faut courir très très vite. C'est un speedrun. J'adore. Vraiment ma seconde passion, je crois. J'avais pas vu qu'il fallait que je tourne. Au moins ça me le montre. Ok, donc gauche, droite. C'est bien, j'ai le temps de m'entraîner le temps que t'arrives. Bah tu me suis, sauf que toi t'y arrives et moi non quoi. Non. Ouais, enfin t'en as réussi un de plus que moi quand même. Yes! Oh, attends, faut faire gaffe parce que là, c'est un coup retombé de l'autre côté. Je suis, mais. Faut vraiment aller tout en haut. Bah, si tu vas pas jusqu'au bout, c'est mort quoi. Mais il est classe. Franchement, il est super classe avec l'espèce de. De truc vert d'identifier au sol. Oui, soit World of Warcraft, soit aussi ça me fait penser dans. Avec le fenouil, là, ah, t'es 18 ans, tu te piqueras le doigt et tu tomberas dans un sommeil sans fin. Maléfique. Oui. Et bah, Maléfique, c'est ça, hein, son dragon noir avec... Ouais, c'est beau. Lui, il a pas mis un mois à la faire son escape. Le mien, non. Allez, c'est parti, moi je vais tomber le pont direct. Bim! Poum! Exactement. Là, on va rejoindre le dragon et on va libérer la princesse. Allons libérer la princesse! Regarde, il y a un dragon là-bas! Oh, oh, il est trop beau! Oh, on va libérer la princesse direct, je t'avais dit, hein. Sur la plus haute tour. Ah bah, j'ai pas regardé où j'allais. J'ai pas regardé. Dans la plus haute tour de la plus haute. Boum. Ah, oh, c'est dragon quoi. In love. Bon bah je reviens. Les escaliers n'en font qu'à leur tête. Les escaliers sont un peu cassés. C'est les escaliers de Shrek là, tu vois. Purée. Ah, je vais aller le voir après. Je vais d'abord aller sur le checkpoint, tu vois. Je le sens mieux là, le checkpoint d'avant dragon. Ah, oh, il est énorme. Cette grosse tête de dragon là. On arrive, princesse Fiona. On va te libérer. Lan. Il est où, Lan? Ah. Ah. Ah, ah. Mais qu'est-ce que tu fais? Ah, c'est long, hein. C'est pas un petit ascenseur, hein, je te le dis, moi. Ok, c'est bon. Je te le renvoie. On est en train de se rapprocher du dragon, là. Il y a de la lave et tout, quoi. Ça rigole plus, là. Aïe, 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 j'ai brûlé. J'ai brûlé. Ok. Je la refais tranquille.
J'arrive, princesse Fiona, je viens vous libérer du méchant et vil dragon qui vous tient prisonnière. Tranquille. Ah, bah en fait je crois qu'il va nous manger. Useless! Go into the dragon! You crazy, right? On va encore se faire manger. Oh, on se fait toujours pouffer. Il y en a marre, quoi. Il y en a marre. Vas-y, on va se faire manger par un dragon, quoi. Oh là là, c'est toujours les mêmes. Bon, bah, on se fait manger, hein, c'est parti. Dans la bouche du dragon. Ah! Ah oui, quand même. Ah! Ah, le dragon, il a fermé la bouche, là! Adieu. Bah, je suis tombée dans la lave direct au fond du gosier. Bah non, je reviens. Toujours pas. C'est un échec. Mais qu'est-ce que tu crois que j'ai fait? Je me laisse tomber là. Je sais pas, j'ai pas appuyé sur dead ou quoi. J'ai appuyé sur rien du tout. J'ai plus envie de tomber là. Je vais y aller par étapes. Non mais je vais tomber avec amour, je vais délicatesse. Oh, j'étais presque. J'étais presque. Oui bah merci. Oui parce que j'ai voulu descendre un petit peu avant de tomber en fait. Voilà. Checkpoint. Bon, et eh ben il a mangé du monde ce dragon. Moi, je sais pas qui il a mangé, mais c'était pas des nains. Et apparemment, est-ce qu'il aurait pas mangé ses gosses? Bah non, c'est pas du tout le dragon. Oh purée. Ah, toujours le dernier. Écoute, c'est la malédiction du dernier. C'est la malédiction du dernier, j'allais te dire. C'est toujours comme ça. Pour y avoir 40 crânes, je prendrai le 39ème quoi. Voilà. Parfait. Parfait. On ouvre le sas. Oula. Ah bah ici c'est plus clair déjà. Ah, je sais pas trop ce qui se passe dans cet endroit là, mais c'est un peu louche. Est-ce que notre dragon il... Ah, c'était l'avant-dernier là. Il serait pas un peu, mal en point ce dragon? Est-ce qu'il aurait pas des trous dans le bide? Ah, peut-être. Peut-être. C'est possible. Ah, ça sent les intestins là un peu. Ça sent un peu... ouais. Ça sent le dragon pas frais, hein. Je sais pas ce que t'en penses. Ah oui, ah c'est pas frais. Ah ça pue. Toujours. C'est ça. Mes prodiges. En plus, tu meurs bien pendant 10 ans, quoi. C'est pas l'escape où tu meurs et après tu reviens direct, quoi. C'est l'escape où t'as le temps de mourir, de devoir te décomposer. Bah là, tu t'es décomposé plus d'une fois, en fait. Ok. Cool, ma vie. Attends, t'es popcorn, dans les commentaires. Ah! Bon. Elle a avancé toute seule! Oh non! J'avais tout bien fait, elle a avancé toute seule quoi! Elle aussi, elle en a marre là. Surtout que c'est pas le truc le plus difficile quoi. Vas-y. Three-year-old. Bon bah rendez-vous demain, merci beaucoup d'être venu. Ouais, bon. Je m'en vais là, même pas, je reste une seconde de plus dans cet endroit. C'est bon. J'ai compris la misère, je me carapate. Salut. Bon, allez, on sort de là. Ah, on est sorti. Oula, on était loin du dragon là, hein. C'était plus l'intérieur là. On était dans le village suivant là. Ouais,
Ah là, c'était un gros prout là. On a été éjecté. On a fait 2 km avec son prout quoi. Voilà, ça c'est fait. Ah oui, bah t'inquiète pas, après l'échelle il y a un escalier, après l'escalier il y a un autre escalier, après il y a un ascenseur. Non mais je le sens bien l'ascenseur en plus là. Je le sens, voilà, bah 200% l'ascenseur. Tu penses que tu vas réussir à monter en même temps que moi? Pas trop. Oula. Ah non, t'as des difficultés, je crois. Ah, je sais pas, tu vas tout casser là. Ah, il y a un poids max hein. Prodige, t'es trop lourd. D'accord, et une fois que t'es là-haut, tu dois... Non, ils sont sérieux, là? Tu dois redescendre. Bah oui. Non. Bah si, regarde. On va se perdre, hein. Je t'attends. Mais regarde. C'est reculer pour mieux sauter, quoi. Utilité, zéro. Bon, bah non, on va visiter. En fait, on repart sur le château de dragon parce que, bah, on s'est fait éjecter par le prout. Mais on n'avait pas fini avec cette histoire de dragon, donc on repart le voir. Et pour ça, on peut visiter, hein, voilà. Donc on a les petites montagnes là-bas, le petit dragon là-bas, et nous, on se balade. Voilà, voilà. C'est juste pour admirer le paysage, parce que je pense qu'il a passé tellement d'heures à faire son dragon, qu'il veut qu'on le regarde sous toutes les coutures, tu vois. Là, il aurait nous fallu un cheval, là. Franchement, il fallait mettre le cheval à la livraison, histoire de traverser, quoi. Ou un griffon. J'ai accepté le griffon aussi, c'était possible. J'arrive là. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ouh, il y a un portail. Ok, d'accord. Ok, d'accord, tout ça pour ça. Tout ça pour nous dire qu'on a fini, il nous faut tout retraverser. Oh, les pires! Oh, les pires! The end. Bon, elle était quand même cool, t'escape, dans le sens où c'était vachement joli, c'est très joli, et il n'y a pas beaucoup d'escapes qui sont comme ça, un petit peu en mode Moyen-Âge, et surtout on a les tenues intégrées qui sont assez stylées. On aura vu l'extérieur et l'intérieur du dragon à plusieurs reprises. N'hésitez pas à laisser un gros pouce bleu, moi je vous mets l'escape dans la description, et je vous dis à très bientôt avec Prodige. Salut!